Et là, moi, je me disais tout à l'heure, tu parlais d'intensité, c'est-à-dire que le curseur de la charge émotionnelle, on peut avoir la puce à l'oreille avec une intensité d'émotion qui nous déborde finalement, commence à se dire que ça ne nous appartient pas. Ce qui veut dire que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut être du trop ou bien du trop peu. Tu prenais l'exemple de ce monsieur qui n'avait pas pleuré à l'enterrement de sa maman, je crois, ce matin, et qui avait envie, mais qui ne pouvait pas. Donc, c'est d'être aussi vigilant par rapport à ce manque d'intensité, finalement, qui est un curseur important aussi, c'est ça? Quelquefois, d'ailleurs, on le voit très très bien dans les cas de certaines dépressions où il y a énormément de colère derrière. Et en fait, la dépression va permettre de garder une sorte de carapace pour maîtriser la colère qui bouillonne. Parce qu'en fait, on peut avoir peur de ce qui peut surgir et jaillir de nous. Si on n'arrive plus à contrôler, alors qu'on est habitué à contrôler, ça peut être, voilà, ça peut faire flipper. Et donc, il y a des personnes qui vont dire, oh là là, mais si j'ouvre les vannes, par exemple, je vais pleurer pendant 3 jours ou 3 semaines. Ben, peu importe, il faudra bien qu'un jour ça sorte. Et si ça ne sort pas à ce niveau-là, ça sera nos enfants ou petits-enfants qui risquent de porter cette charge-là.